Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Débriefing pour ce nouveau 9h. Nous sommes le mercredi 23 septembre et j'ai la chance et l'honneur d'être avec le réalisateur Marc Fitoussi. Bonjour. Bonjour. Vous venez présenter votre film Les Apparences. Vous êtes en tête avec un très très beau chiffre de 78 entrées. Comment on se sent dans ces moments-là? Parce qu'en plus, vous n'étiez pas annoncé, c'était une surprise, et voir cette salle juste derrière, quand même bien remplie. Comment vous sentez? Oui, je suis extrêmement content, honoré. Je ne m'attendais pas à ça. Franchement, on est forcément fébrile quand on sort un film, on redoute ce moment-là, et on redoute aussi maintenant ce 9h des Halles. Et très honnêtement, je me suis pointé ici en me disant si on arrive à avoir une trentaine de personnes, ce serait génial. Voilà. Enfin, j'étais en tout cas dans cette optique-là. Alors, on sait que le film devait sortir en avril au départ. Oui. Comment, avec le distributeur, vous avez choisi de le sortir à cette date-là? Comment le travail de changement de date s'est opéré? C'est vrai qu'on espérait pouvoir sortir le 29 avril, puisque le confinement avait commencé, mais on espérait que peut-être on en sortirait d'ici notre date de sortie. Donc, on a passé ensuite l'été à réfléchir à une autre date. Très vite, on s'est dit que fin septembre, c'était pas mal par rapport à notre sélection au Festival d'Angoulême. Ça nous laissait derrière un mois entier pour parler du film, et le festival allait être une sorte de premier tremplin. Je dois avouer qu'on avait un peu peur aussi de cette date, puisque beaucoup de films étaient placés aujourd'hui, comme par exemple Miss, qui était a priori notre grand concurrent. Curieusement, Miss s'est déplacé fin octobre, si bien qu'on s'est senti un peu plus fort voilà, à partir de ce moment-là. Alors, le film est un thriller, un genre un petit peu nouveau pour vous. Comment ça vous est venu? Parce qu'on sait que c'est aussi adapté d'un livre. Comment le sujet est arrivé à vous? Moi, c'est ma productrice Christine Gozlan qui m'a rencontré. Elle avait vu mon premier long métrage, donc ça remonte à il y a très longtemps. Elle m'a demandé si j'étais intéressé à l'idée d'adapter un livre. Je vais parler de Patricia Highsmith, qui est une auteure que j'adore. À l'époque, en fait, tous les romans de Patricia Highsmith étaient détenus par Sidney Pollack, donc il valait mieux oublier. Et puis, elle a continué à lire des thrillers et elle a trouvé ce roman de Karin Oftegun qui s'appelle Trahi au féminin. Et j'ai aimé ce livre, mais j'avais pas mal de réserves, et c'est pour ça que je me suis permis d'en faire une très très libre adaptation. Voilà, j'ai été très infidèle, mais puisque le film parle d'infidélité, ça tombait plutôt bien, quoi. Alors, vous parlez d'adaptation justement parce que dans le roman, ça se passe pas forcément à Vienne. Non, du tout. Il n'y a pas forcément des expatriés français. Alors, comment ces éléments-là sont venus se greffer au matériau de départ? C'est vrai qu'au départ, l'histoire est censée se dérouler à Stockholm. De nos jours, autour d'un couple assez lambda, une femme découvre que son mari la trompe, et plutôt que de lui parler, de l'affronter, elle décide sournoisement d'agir. Et je trouvais un peu l'attitude de ce personnage assez curieuse, dans le sens où je ne comprenais pas pourquoi cette femme n'avait personne à qui se confier, pourquoi elle se refusait à parler à son mari, pourquoi le divorce lui était inconcevable. Et je pensais qu'il manquait un contexte en fait à cette histoire. Et c'est moi donc qui ai déplacé cette intrigue à Vienne, ville connue pour la musique, etc., où soudain ce mari deviendrait un chef d'orchestre très prestigieux, français, et où j'aurais comme ça un peu cette... je reproduirais un peu cette ville de province très chabrolienne dans cette communauté de Français expats qui s'épient, se surveillent et ont très peur du candidaton. Alors, effectivement, vous parlez de thriller chabrolien, et pourtant, il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans les films de Claude Chabrol, mais on peut aussi comprendre que c'est l'époque, c'est la présence d'Internet. Oui, effectivement. Alors, pourquoi cet élément très contemporain est arrivé dans ce thriller? Parce que je pense que franchement, si Chabrol faisait aujourd'hui un thriller, forcément il utiliserait aussi Internet, les smartphones, etc. Enfin, on peut plus passer de ça, et c'est d'ailleurs pour ça que la ville de province chère à Chabrol a beaucoup changé aussi, et qu'il la dépeindrait forcément autrement, et que peut-être il déplacerait justement ses intrigues autour de bourgeois, non pas en France, mais ailleurs dans le monde. La bourgeoisie en France a un peu disparu. Alors, Benjamin Biolay, qui a l'un des rôles principaux, qui est musicien dans la vie, il y en a un autre musicien français qui est impliqué sur le film, c'est Bertrand Burgala qui a fait la bande-son. Comment il est arrivé sur le projet? Très tard, je dois avouer. En fait, moi, pour ce film, on manquait sacrément d'argent. On a monté le film avec beaucoup de musique témoin.
J'ai fait en sorte de choisir des musiques que je ne pensais pas chères, en me disant peut-être que la somme de toutes ces musiques fera qu'on aura le budget suffisant pour toutes les acheter. Et en fait, je me trompais complètement. Et d'ailleurs, parfois, certains morceaux totalement méconnus sont détenus par des ayants droit qui demandent des sommes astronomiques pour se refaire. Donc, on oublie cette idée de musique empruntée. Et là, il faut trouver un compositeur. Et j'ai tout de suite pensé à Bertrand Burguela parce que j'adorais sa musique. J'aime tous ses albums pop, etc. Et je connaissais son travail de compositeur de musique de film à travers ce qu'il avait fait pour Eva Ionesco pour un film qui s'appelait My Little Princess. Et j'aimais beaucoup cette BO. Et voilà, je l'ai contacté. Donc lui a vu le film vraiment fini en salle de montage avec toutes ses musiques placées, qui étaient un peu écrasantes forcément, puisque voilà, il fallait tout gommer et puis tout recommencer. Et la grande force de Bertrand, c'est qu'il a su finalement créer une vraie homogénéité au film, dans le sens où quand on emprunte des musiques, finalement il y a une sorte de patchwork un petit peu indigeste où ça marche pour la scène mais ça ne marche pas forcément dans son ensemble. Et lui a pu faire quelque chose, donner une couleur au film. Et c'est vrai qu'il a su aussi surtout totalement se débarrasser des influences que j'avais pu mettre. D'ailleurs, il ne se souvient même pas de ce que j'avais pu placer. Lui s'est juste contenté de voir où commençait la musique que j'avais mis, où est-ce qu'elle se terminait, quels étaient les effets, les ruptures, à quel endroit je l'ai placé dans l'image. Et on n'a jamais reparlé finalement des morceaux qui avaient été initialement placés. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur un élément quand même très très important et qui est très marquant, je trouve, c'est cette affiche. Est-ce que on sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas dès qu'on la voit, ce personnage de profil qui est flouté volontairement, j'imagine. Mm-hmm. Comment ça s'est créé cette affiche justement? Donc moi, le film est distribué par SND, donc je travaille avec un homme qui s'appelle Olivier Lebrault chez SND, en fait, qui m'a. Moi, c'est mon troisième film que je sors chez eux. Je m'entends très bien avec Olivier, mais c'est vrai que. En tant que réal, on est toujours un peu obligé de se tenir à l'écart de ces étapes-là. Enfin, c'est-à-dire que la bande-annonce, l'affiche et même la date de sortie, d'une certaine manière, on n'a pas complètement son mot à dire. Et je dis ça sans critique, c'est plus que on a besoin de faire confiance et on a très peur surtout de s'imposer, de se dire que ça sera peut-être alors à cause de nous. Si j'ai un mauvais souvenir par exemple de ma première sortie de film où j'avais beaucoup insisté auprès de Hoécourt qui sortait le film pour une affiche. Finalement, le film n'a pas rencontré un grand succès et j'ai pas pu m'empêcher de me dire peut-être que c'était à cause de cette affiche que j'ai tellement voulu imposer. Donc là, j'étais plutôt souple et il y a eu des premières propositions que je trouvais un peu fades. Et on a eu une réunion comme ça où j'ai quand même exprimé enfin, ce que je ressentais. Puis dès la deuxième réunion, cette affiche a été un peu l'évidence. Voilà. Enfin, et c'est vrai qu'on disposait de peu de matériel photo, mais. Ce simple visage de Karine suffisait voilà, pour créer en tout cas cette atmosphère de thriller qu'on voulait vendre. En tout cas, Les Apparences, c'est aujourd'hui dans toutes les bonnes salles, réalisé par Marc Fitoussi avec Karine Viard, Benjamin Biolay et aussi Pascal Armillot, distribué par SND. On vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette Merci sortie beaucoup. Et on se dit à très vite sur Débris Films.